Alors, on est en Suisse, à Sion, et donc aujourd'hui, j'aimerais visiter un peu tout ce qu'il y a à voir. Je suis juste à côté de l'office du tourisme, donc allons voir si quelqu'un a envie de m'accompagner pour cette belle visite. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Je suis là pour la journée à Sion. Je voulais avoir quelques informations par rapport à la ville. Avec plaisir. Bienvenue chez nous. Vous voudriez savoir ce qui est à visiter? Voilà, ce qui est à visiter, où nous sommes. D'accord. Alors ici, vous avez le plan de notre ville. Oui. Nous sommes ici sur la place de la Planta. Parfait. La ville se déroule de façon concentrique, une vieille ville très, très intéressante, très élégante, très aristocratique. À 5 minutes, vous êtes sur les bis. Ah, c'est parfait. Petit, on achemine l'eau pour les prés, pour les vignes. Ok, est-ce que vous auriez envie de m'accompagner? Mais avec plaisir, avec plaisir. Peut-être on pourrait prendre un pique-nique. Oh, mais ce serait parfait. Ça vous convient? C'est vous qui préparez le pique-nique? Oui, alors wow. C'est une idée de l'Office du tourisme. On prépare un pique-nique, comme ça les gens n'ont pas d'inquiétude à avoir. Ils peuvent se poser quand ils sont fatigués et c'est parfait. Manger. Alors je prends le plan et j'attends le pique-nique. Avec volontiers. Merci beaucoup. L'église de Saint-Théodule, splendide. Patron du Valais, patron des vignerons. Voilà. Ah, splendide. Cumul des mandats. D'accord, donc c'est une église romanique comme style? Non, là on est dans du gothique. Ah, gothique. On est dans du gothique, mais c'est un site archéologique. Ah, d'accord. Bon, je vais vous montrer. Ah oui. Ici on est sous l'église de Saint-Théodule, donc il y a un enchevêtrement d'époque. Ça veut dire que vous avez des époques, elles vont se superposer, mais la lecture n'est pas si évidente parce qu'il n'y a pas une rupture nette au niveau des époques, évidemment. On récupère au maximum les matériaux. Donc ça rend la lecture... C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est passionnant. Alors, par rapport à Saint-Théodule, tu m'as parlé d'un diable. Oui, il y a plusieurs légendes qui sont attachées à Saint-Théodule parce que c'est une personne très charismatique. Hein. Et il y a cette légende du diable. Il serait venu depuis Rome sur le dos du diable avec la cloche entre les jambes. Avec une cloche entre avec les jambes. Avec une cloche. Les cloches importantes à l'époque. Les cloches très importantes. Et voilà. Et finalement, donc, tu me dis que Saint-Théodule, pour vous, est un peu le symbole de la ville, on va dire. Oui, alors c'est vraiment le symbole même du Valais. Ok. C'est le patron du Valais avec Sainte-Catherine. Je me suis perdue, on est où maintenant? La cathédrale. La cathédrale. On est même sur le tombeau des évêques. Ouh. Si on décèle la dalle, on descend. Et dessous, vous avez le tombeau des évêques. Des évêques, ici en dessous. À l'époque, les évêques étaient enterrés dans les cathédrales. Je vois des merveilles ici. On m'a dit que c'est vous qui faites. Oui, tout à fait. On fabrique et puis on cultive tous les fruits. Ici, on travaille avec les amis du moulin des Rémences où on habite. On fait du pain une fois par mois. Et puis, on travaille aussi avec le boulanger des Rémences. Lui, il fait du pain au levain. Puis autrement, on cultive ici en Valais des fruits et des légumes de saison. Et puis on travaille aussi avec des autres amis agriculteurs où on vend leur fromage. C'est splendide, donc il y a une coopération entre fermiers finalement. Voilà, exactement. Et votre ferme? Alors notre ferme, elle est à Bramois. Ouais. Et puis l'été, on a les animaux qui pâturent entre Rémences et les colons. Des vaches? Des vaches et des moutons. Ah, et des chevaux. Et des chevaux aussi. Voilà. Et puis autrement, on a les plantes aromatiques et les arts fruitiers entre Bramois et L'Oeil en dessous de Gros. Et là, je vois que vous avez ça, hein, votre des, de voilà, c'est des saucisses sèches qu'on mange pour l'apéro. Et puis, avec le fondant. Voilà. Ah,
Et puis beaucoup les gens ils prennent pour aller pique-niquer, ils prennent une saucisse à verre. Alors écoutez, j'ai déjà pris un panier, mais j'aimerais goûter si c'est possible la vôtre aussi. Pas de problème. Avec le couteau suisse. Attention, hein. Les choses en ordre ici. On est dans la maison Super Saxo. Les Super Saxo, ça va être des gens hyper importants à Sion. Le père, Walter, va être évêque de Sion pendant 25 ans. Ah, ok. Donc tu imagines les ramifications, ce qu'on appelle le réseau, que tu peux avoir en 25 ans quand tu es un pouvoir chef temporel et spirituel. Un pouvoir incroyable. Incroyable. Va grandir de façon concentrique les châteaux. Voilà, et donc il y a deux châteaux à Sion. Alors, si on est vraiment puriste, les gens disent il y a deux châteaux, mais si on est puriste, il y a un château et un bourg fortifié. D'accord, et le château, c'est lequel? Le château, c'est celui qui est là-haut, oui. Qui est maintenant démoli depuis l'incendie de 1788. Et il s'appelle comment? Ça, c'est le château de Tourbillon. Ah, le château de Tourbillon. Et ça, c'est le bourg fortifié de Valère. Et là, à l'intérieur de ce bourg fortifié, il y a le plus ancien orgue jouable au monde. Et le festival de l'orgue ancien. Ah d'accord. Et là on y va? Oui, c'est un lieu incontournable. C'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de prière avant tout, mais c'est aussi un lieu historique puisque ça contient à l'intérieur, un peu comme un écrin, on a le musée d'histoire du Valais. L'hôtel de ville, c'est pas propriété de la ville, c'est propriété de la bourgeoisie de Sion. Parce que Sion a encore une bourgeoisie qui est une très belle bourgeoisie qui sauvegarde le patrimoine valaisan et c'est du noir. Je vais vous montrer le plus ancien symbole de christianisme au nord des Alpes. Absolument. Ouais. Ici, regarde ça, ça a l'air vraiment. Ça ressemble. On n'a pas l'impression que c'est si important, mais l'importance, elle est là. Elle est dans ce petit chrisme-là. Ça date de 377. Après Jésus-Christ. C'est le plus ancien symbole de christianisme au nord des Alpes. Il faut savoir qu'en 377, on est juste. Le christianisme et religion. Au début. On est au début de la religion d'État. Hein. Et vous avez retrouvé ça ici. Ici, sur le Grand Pont. Voilà, de chaque famille. Des familles qui ont participé au conseil bourgeoisial. Paradis pour notre apéro. Pour nous. Allez. Valide. Spécialement pour nous. Regarde ça comme c'est sympa. Alors moi j'ai amené l'apéro que tu m'as préparé à l'office du tourisme. Oui, tu vas voir tous les produits du terroir. Avant on a goûté la saucisse. Maintenant j'aimerais bien goûter ce fromage. Qu'est-ce oui. que c'est? Tu as envie toi aussi? On est dans du fromage au lait cru, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi des élevages de chèvres dans la région? Oui, il y en a. La jeune fille qu'on a filmée ce matin, elle a aussi du bétail, mais je peux dire que la majorité c'est quand même des vaches. C'est quand même des vaches. Oui. Très bon. Et on mange ça avec du pain de seigle. Ah, attends, tu as bien raison, j'ai bien oublié. Ah, parce que sans pain de seigle, c'est pas pareil. Ah, mais ici il y a tout dans ce pique-nique. Oui. C'est une idée splendide. Donc vous vendez ça à l'office du tourisme. Oui. Les clients peuvent arriver. Un pain de seigle avec l'appellation d'origine protégée. Fantastique.
tout fait en Valais. Tout en Valais. Eh bien, bon appétit. Merci beaucoup. Hein. Normalement, c'est moi qui devrais te servir. Hein. Écoute. C'est toi mon invité. Hein. Et toi, c'est mon guide spécial pour aujourd'hui. Savent pas, mais tout au début, lorsqu'on commençait à faire la raclette, bon, ça remonte à très longtemps, mais chez nous maintenant, on boit toujours du fondant avec la raclette. Mais au début, c'était du muscat. Ah, du muscat. Ouais, le muscat, à l'époque, avant que le fondant arrive en Valais, parce que c'est relativement récent, eh bien, on buvait du muscat avec la raclette. Ciao, sono arrivata prima di te, hein? Hai visto? Tu m'accueilles dans un endroit un peu spécial apparemment. Oui, c'est une escape room. Escape room, donc? C'est très à la mode, vous savez, il y en a pas mal maintenant. Elle est dédiée à Saint-Théodule. Ah voilà, donc là on va voir encore un autre côté ludique. Ludique, alors je suis prête à jouer. Alors on accueille les gens ici. Et on va passer, je vais vous montrer par où on passe. Et évidemment, l'idée, c'est toujours, pour nous, c'est tout est ouvert aujourd'hui. Hein, ok. Pour nous simplifier un peu le travail. Mais l'idée, c'est vraiment de passer de pièce en pièce en résolvant des énigmes. Ah, donc je dois résoudre des énigmes. Sur la vie de Saint-Théodule. Pour pouvoir sortir. Pour pouvoir sortir. Autrement, je reste ici toute la vie. Ah ben oui. Et pourquoi Mais pas. Je vais peut-être t'aider. Je vais peut-être t'aider un peu. Merci, quand même. Merci, c'est gentil. Par ici, donc la vigne. Avec le Saint-Théodule, avec la croix, et la vigne, parce que c'est le patron des vignerons. Vignerons, parfait. Et hop. Waouh. Ginette, c'est trop beau ça, c'est mon jeu. Oui, mais j'ai plein de choses à te montrer encore. Ouf, il faudra que je revienne à Sion. Oui, alors. Parce que de toute façon, je ne peux pas te donner les codes. Il faut que tu viennes les chercher toi-même. Ok, alors pour aujourd'hui, on arrête comme voilà. Ça. Tu sais où c'est? Oui. Tu viens quand tu veux. Mais c'est promis. Promis. Tu m'accompagnes. Avec plaisir. Surtout parce que je ne veux pas rester ici tout le temps. Il faudra que je puisse sortir. Non, je connais bien Saint-Théodule. On revient et on règle le problème. Alors je te Allez, suis. On y va. Bonjour, bienvenue à Marie-France, enchantée. Alors, on m'a dit que tu es le grand chef ici, ce qui va m'expliquer tout par rapport à ce extraordinaire site qui domine la ville. Alors, le grand chef, je ne sais pas, mais je vais vous donner en tout cas, effectivement, avec plaisir, quelques explications essentielles sur le site. Alors, par rapport, disons, à l'histoire, ça date depuis combien ? Alors, c'est un site qui date du Moyen Âge et l'élément le plus ancien, c'est l'église qui est là derrière. Qu'on va voir. Qu'on va aller voir. Et après, il y a eu, disons, des périodes un peu moins, on va dire, de lumière. Il y a eu des batailles, quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il a été détruit ou c'est celui originaire? Alors, c'est vraiment le château originel. Parfait. Qui date du Moyen Âge. Il a été habité pendant une longue période, depuis le Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Pendant deux siècles, il était un peu à l'abandon et puis on l'a redécouvert à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et maintenant, il est devenu le siège du musée de l'histoire. Voilà, c'est le siège du musée d'histoire du Valais qui D'accord. explique toute l'histoire du Valais Wow. depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, on arrive au cœur de la basilique.
Oui, alors ça, c'était vraiment le dernier repli, on peut dire. Au cas où il y aurait eu une attaque, on a plusieurs portes, hein, comme celle-là, qui permettaient éventuellement de défendre les lieux. Et le clocher aurait servi un peu de donjon, en fait, de dernier vraiment repli défensif. Jouable au monde. Le plus vieil jouable au monde. Alors ça veut dire qu'il y a des éléments d'orgue qui existent, qui sont plus anciens, mais on ne peut plus les en jouer, on ne peut plus les entendre. Et quand est-ce que vous les jouez? Il y a des occasions spéciales? Alors il y a un festival, tout l'été, tous les samedis d'été, il y a des concerts. Et puis sinon, sur demande spéciale pour les groupes, parfois l'organiste vient jouer. Il faudra que je revienne. C'est un privilège de l'entendre. En tout cas, un élément très important sans lequel on ne peut pas jouer de l'orgue. C'est-à-dire? Ben, l'orgue, on croit que c'est comme un piano, mais oui. Pas du tout. En fait, il a besoin d'air pour jouer. Okay. Donc, il faut envoyer de l'air dans les tuyaux pour que l'organiste puisse après faire entendre la musique. Et comment tu fais? Alors, ben, il faut être fort, hein. Tu vas faire du sport. Montre-moi tes muscles. Ok, on y va. Alors, il faut appuyer tout doucement, mais régulièrement, sur ces grands leviers. Ça va faire lever les soufflets, remplir de l'air, et seulement après, comme ça, l'organiste pourra jouer. Pas trop fort, voilà. Et donc, comme ça, les soufflets sont remplis d'air, et quand l'organiste joue, l'air circule, passe à travers le mur, et peut aller remplir les tuyaux de l'orgue. Alors là, on est vraiment dans le saint des saints. Oh, je ne peux pas, là. C'est bien accroché, oui, c'est ça? Oui, oui. Moi aussi, je t'aime. Et voilà. On est face à l'orgue. Et puis, ce qui est très étonnant pour des gens qui connaissent les grands orgues romantiques, ben, c'est ce mini clavier, en fait. Ah, voilà. Et donc il est tout petit. Et puis surtout, il n'y a pas toutes les notes. Ah, d'accord. Il manque certaines notes. Et donc quand l'organiste vient jouer, il est obligé de s'adapter à la musique vraiment médiévale. Donc ici, on ne peut pas jouer les grandes pièces de Bach pour orgue. C'est vraiment de la musique médiévale. Ou alors au contraire, de la musique contemporaine qui a été faite pour cet orgue. Du trésor, et c'est ici que sont conservés les objets les plus précieux qui ont un lien avec l'histoire de la basilique. Donc c'est vraiment les objets qui ont un lien avec l'histoire religieuse. Qui ont été retrouvés dans la basilique. Voilà, qui ont toujours été ici ou qui ont été construits ou conçus pour la basilique, et en particulier les volets de l'orgue. Parce que ceux qui sont exposés pour des raisons de sécurité, de conservation, sont des facsimilés, et on a ici les originaux. Et donc, ce qui est absolument incroyable par rapport à ça, c'est que c'est une des premières œuvres qu'on a en Valais sur toile. Parce qu'à l'époque, plutôt au Moyen-Âge, on peignait sur du bois. Mais là, vu le poids, c'était pas possible de les faire tenir comme ça. Et donc, du coup, on pense qu'ils sont allés en Italie trouver cette technique de la détrempe sur toile pour l'amener ici. Tu me répètes la date? Entre 1432 et 1437. Le peintre qui les a peints. Mmh. On sait qu'il était en Valais à cette période. Alors finalement, Ginette, on y est arrivé. J'attendais ce moment. Oui, comme ça, on va être au frais. Oui, lac souterrain de Saint-Léonard. Lac souterrain de Saint-Léonard, le plus grand lac souterrain d'Europe. Ah, j'ai hâte de le voir. Allons-y. On découvre.
Bonjour, bienvenue. Alors, je vois déjà quelque chose de spectaculaire. C'est quoi? C'est un lac souterrain, finalement? Voilà, c'est le plus grand lac souterrain d'Europe, de formation naturelle. On a une grotte ici qui fait environ 300 mètres de long, de ce côté-ci, et avec une surface d'eau de 6000 mètres carrés. Incroyable. Et donc, on peut même y aller par bateau, finalement? Alors, toutes les visites se font uniquement en bateau. On ne peut pas y aller à pied parce que c'est complètement immergé. Donc, bien sûr. Voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est que dehors, on ne s'y attend pas. Moi, quand on s'est approché, je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir un lac ici en dessous. Alors, effectivement, on est au milieu des montagnes. On pense plutôt aux Alpes, à la roche et tout ça. Donc, depuis dehors, on ne peut pas imaginer qu'il y a ça. C'est un site qui a été découvert en 1943. Donc, assez récemment. Assez récemment, parce qu'à l'époque, on serait sous l'eau par rapport au niveau de l'époque. Jusqu'en 1946, l'eau atteignait le plafond. Ah, OK, d'accord. Voilà. Et en 1946, on a eu un grand tremblement de terre en Valais, qui a fissuré une partie des roches ici et qui a permis à l'eau de s'échapper et au niveau de baisser. Et à partir de là, ça s'est arrêté, c'est-à-dire... Voilà, le niveau s'est stabilisé juste à la bonne hauteur. Parfait. La nature a bien travaillé. Eh bien, alors on a hâte de partir dans notre voyage dans le lac. Voilà, on va bientôt embarquer pour un voyage. Merci. Attention. Il va falloir me laisser la place. Tac. Voilà, bonne chance. Non, Julien, tu viens avec nous? Ah non. Ah non. Ah non, je rigole. Waouh, j'ai eu peur. Voilà. Oh. Tu as tous les... Oh là 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 là. Trois. En Suisse, trois. C'est trois. C'est trois. Finette, finalement, on est au milieu des vignobles, on va dire, du point de vue agricole, un peu le symbole du Valais. Oui. Et ce soir, tu as préparé une très bonne dégustation chez un producteur. Oui, on va aller chez Giard. Et je pense qu'il va nous dire que c'est une bonne année, parce que d'après ce que j'ai mangé là, tu vois, c'est très doux, c'est déjà. Très doux, ouais. Et on est que fin août, donc on a encore une marge de manœuvre quand même assez grande. C'est le nom de famille de notre fondateur, donc Edmond Giard, qui a créé la maison en 1885. Ah d'accord. Il y a eu trois générations de Giard qui ont tenu la maison. Et après, il y a notre famille, puis maintenant, c'est toujours la maison Giard. Parfait. Alors, vous avez une production de vin du Valais? Oui. Quel cépage vous utilisez? On a 22 cépages au total dans la maison. Donc, cépage blanc, cépage rouge, les traditionnels valaisans, et puis en rouge aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un cépage en particulier qui vous caractérise, ou une production en particulier qui vous caractérise? On va dire, c'est un peu le pilier de Maison Giard. Alors, on a nos quatre vins qui sont nos quatre classiques, donc le Fendant les Murettes, la Dôle des Monts, le Pinot Noir Vendémiaire, et puis la Porte de Novembre qui est à Joannis. On a des cuves qui vont de 13 000 à 21 000 litres. Le principe chez nous, chaque vigne, chaque domaine est vinifié séparément. Ah, parfait. Et ensuite, c'est le rôle de l'œnologue d'assembler ces différents arrivages pour avoir la qualité la plus régulière possible. Bien sûr. On dit qu'à Bordeaux, ils ont des années exceptionnelles. En Valais, chaque année est exceptionnelle. Et en plus de ça, c'est vrai. Donnez-moi un chèque. C'est bien vendeur. Bravo, Edo. Bienvenue.
bienvenue à l'Enclos de Valère. Bonsoir, madame, grand plaisir. Bonsoir, madame. Très bien. Mais très bien, et toi? C'est gentil de vous accueillir. Mais je vous en prie, voilà, jolie table ronde pour vous ce soir. C'est splendide. Vraiment. Merci beaucoup. À ta santé, très cher. Tu reviens chez nous quand tu veux. Ça promet. Alors, Ginette, tu m'as ramené nouvellement dans le château de Vallières. Pourquoi? Oui, alors comme ça, tu peux voir Sion en lumière. C'est un spectacle musical et visuel. Et ça va te permettre de voir un peu la magie de Sion aussi le soir. D'accord. Alors, je te laisse ici. Alors, moi, je te fais une bise et je à te remercie. Merci. Merci pour ton compagnie. C'était trois chez nous. Merci pour ta compagnie. C'était merci. Vraiment super. On a passé une bonne journée. Merci beaucoup. Et écoute, tu es vraiment chanceuse parce que voilà, tu es dans une ville qui a beaucoup, beaucoup à montrer. Oui, c'est vrai. Et j'espère avoir autre occasion encore pour revenir. Avec plaisir, vous êtes toujours les bienvenus chez et là, nous. Je pars voir ce spectacle qui paraît être merveilleux. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. On est arrivé à la fin de la soirée, on a découvert Sion pendant toute la journée et le grand final c'est ce spectacle de son et lumière qui nous fait cadeau des monuments plus importants avec des lumières particulières. Alors on remercie la ville de Sion qui nous a si bien accueillis et on vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Bonne nuit.